Hello les potes, c'est Dofuser, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, on était sur Monocompte, on avait déjà commencé à tester les donjons de Noël. On avait testé, il me semble, 16 donjons si je dis pas de bêtises. On a fait une ouverture de quelques coffres assez sympa, on avait vu que c'était plutôt ok, parce qu'il y a de plus rentable sur le jeu, mais ça restait quand même ok en termes de rentabilité Kama. Aujourd'hui, alors là je suis en train, pour tout vous dire quand même sur Monocompte, de vous préparer un beaucoup plus gros opening de 500 ou de 1000 coffre, on verra pour la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, il faut savoir que je suis allé faire 2 heures avec la team sur Galga des donjons, justement pour faire un opening de cadeau de Noël. Et aujourd'hui, on va ouvrir ensemble 3500, un peu plus de 3500 cadeaux de Noël. Alors, on va voir un petit peu ensemble combien on arrive à se faire de Kama à peu près en 2 heures. Et j'ai pas compté exactement, mais ce qui me semble, c'est que j'ai fait à peu près 2 heures, parce que j'étais en train de regarder une série, tout ça. Et du coup, dès que j'ai fini mes 2 épisodes, bam, je fais l'opening. Mais du coup, on va voir si c'est rentable ou pas. Comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo, ce sera sûrement le gros opening sur Retro Monocompte, où on allait faire pas mal de donjons et je vais continuer à en faire. Honnêtement, quand même, putain, pour l'avoir testé en groupe, il vaut mieux le faire en groupe. D'ailleurs, les gars, petite précision, si vous êtes sur le Retro Monocompte, faites-le en groupe, ça vous permettra d'obtenir les incroyables cadeaux de Noël que moi j'arrive pas à choper seul en tout cas. Du coup, alors quand on a fait à 3, on ne chope pas tout le temps. Enfin, quand on a fait à 3 personnes, on chopait tout le temps au boss. Et quand on le fait tout seul, ben malheureusement, on ne chope pas du tout. Donc bref, on va passer aujourd'hui sur l'ouverture des 3500 cadeaux. Je vais vous épargner les moments un petit peu chiants. Je vous ferai des cuts, etc. Globalement, on va commencer à ouvrir les premiers ensemble. Ensuite, je vous ferai un cut. Et on se retrouvera à la fin quand on aura tout ouvert. Je vais mettre juste à la banque. J'ai bien tout vidé ici ce que j'avais. Et on va faire un petit peu tout ça ensemble. Hop, on se retrouve dès que je suis à la banque, les amis. Allez, du coup, on a 3668 cadeaux exactement à ouvrir. Donc, on fera dans l'ordre. Je vais commencer par les tout petits. Vous avez vu à chaque fois les petits trucs en bas qui commencent à apparaître. Moi, je vais spammer. Ce que je fais faire, c'est que, hop, attendez, je vous montre juste. Voilà, bon, on a ça qui est apparu déjà. Globalement, on va faire un tri à la fin. On vendra ensemble, on verra ensemble que les ressources qui valent un petit peu cher. Sauf qu'on fera aussi ensemble l'ouverture des 148 cadeaux incroyables. Celle-là, je vous reprendrai avec moi et on se fera ça en direct. Comme ça, vous aurez tout ce qu'on va choper là-dessus. Allez, je pars pour les trous d'ouverture des 3500 cadeaux, les amis. Je pense que j'en ai pour un petit moment de clic. Et je vous retrouve directement après, dès qu'on a ouvert déjà les 3000 premiers cadeaux. Allez, c'est parti, les amis. Ah putain les gars, j'en peux plus. Je suis à plus de... Allez, je suis à 1000 cadeaux ouverts. J'ai déjà le doigt en feu, mais je vous jure, j'ai la phalange qui va céder sous le double clic. J'avais plus l'habitude de cliquer autant, je pense. Et là, j'en pète, mais de ouf. Putain, je suis qu'à 1000. Oh, il m'en reste encore 2500 à ouvrir, les amis. Je vous jure, j'ai le doigt qui en pète. Ça fait peut-être 5 minutes que je clique non-stop. Alors oui, il y en a qui ont l'habitude chez vous de cliquer 5 minutes non-stop. Mais moi, pas du tout. Du coup, je galère comme un ouf. Enfin bref, je vous reprends dès qu'on est à la fin des 2 premiers cadeaux, puisque je vous garde les 148 pour voir ensemble. Mais profitez-en, le petit pouce bleu là, parce que sinon, moi, je pourrais plus cliquer sur mes propres pouces bleus, étant donné que j'aurai plus de doigts à la fin de cette vidéo. Donc, je compte sur vous, les potes. Le petit pouce bleu. Waouh, ok. Les amis, on vient de finir les premiers coffres. J'ai actuellement le doigt qui ne répond plus. Il fait des mouvements tout seul. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste aller faire une pause de 3 minutes. On est à 14563 pods. Et je reprends ça et je rouvre les petits cadeaux de Noël. Ça va là, je me dis que j'en ai déjà fait plus de 2 tiers, je crois. Quelque chose comme ça. Allez, j'étire le doigt, je vais boire un coup et je reprends l'opening, les potes. C'est parti. Ok, les potes. On vient d'ouvrir du coup les 3400 ou 500 premiers cadeaux. Quelque chose comme ça. J'ai même plus les comptes. J'ai plus de doigts, j'ai plus les comptes. Mais vous les avez. Ça fait 3500 cadeaux qu'on ouvre. On est actuellement à 18943 pods. On découvrira ce qu'on a après. On va ouvrir ensemble les 148 cadeaux et voir si... Oh, grand cadeau de Noël. Ça, c'est pas mal. On a des grands cadeaux de Noël. On pourra voir si on a des trucs. Abranomu, ok. Alors, honnêtement, je sais pas trop ce qu'on peut avoir dedans. Il me semble qu'on peut avoir des poissons rares, mais je suis pas sûr que ce soit dans ceux-là. Je regarde un petit peu ce qu'on chope. Grand parchemin de sagesse, ça c'est pas dégueu. Oh, ça c'est cool si on peut avoir des grands parchots. Putain, je savais pas du tout. On regarde un petit peu. Grand poil, ça on s'en fiche un petit peu. Racine de bulbig, c'est pas ouf. J'aimerais bien choper un poisson rare, mais je suis pas sûr que ce soit dans ceux-là. Si jamais il y en a qui savent vraiment ce qu'on peut avoir dedans, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, les amis, parce que le lien... Oh, encore un grand parchot de ça. Ça c'est cool. Le lien qu'on m'avait envoyé au final est sur 2.0, donc il n'est pas tout à fait à jour. Donc malheureusement, je peux pas savoir exactement ce qu'il y a. Méga pierre de crackler. Non, c'est pas la crackler légendaire, merde, dommage. Ok, allez, on va finir ça. Très bien. Alors là, après, combien... Oh, si on peut avoir des poissons. Poissons igloo, je sais pas si c'est vraiment ça. Oh, carpette des sables. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est putain, j'ai eu un bug. Non, c'est pas ça. C'est pas ça les poissons. Attends.
On va regarder vite fait juste si on a eu des poissons. Après, on va regarder ce qu'on peut ouvrir, les amis. Non, c'est pas ça, je crois. Ah, ça, c'est pas les poissons rares. Dommage. Hop, alors, on a eu les deux grands pare-chauds. On a eu des grands cadeaux de Noël. Ça, on va les ouvrir également. Alors, on va regarder. Clé de l'antre du décès, chair de larve, artefact, cadeau de Noël classique, noisette, poil du grand-pas, la pointe, le cuivre, le cadeau de Noël et amoureux de Mamoto sacré. Ok. Ça et ça, on ouvre et hop, je vois les 93 cadeaux et je vous reprends les gars, on fait le petit débrief. Ok, c'est fait. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai vu passer deux ambres de Mamoto sacré là-dedans et je crois qu'elles valent assez cher. Ce que je fais les amis à présent, c'est que je vais vider tout simplement tout ce qui me semble pas ouf. Parce qu'on va pas tout compter, regardez tout ce qu'il y a, je vous montre un petit peu rapidement au cas où il y en a qui voient des choses qui valent cher. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hein, pour le coup. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, des bandeaux, ok. Les ambres du Mamoto sacré, on en a 9 au final, c'est pas dégueu hein. Poil de Soryu, ah, je crois aussi qu'on peut avoir genre des étoffes et tout ça assez rare. Est-ce qu'on en a eu? Attendez, on va juste regarder jusqu'à la fin un petit peu comme ça. On va juste taper étoffe, voir si on a eu des étoffes. Pourquoi pas une étoffe de Maître Pandore ou quoi. Mais je crois que c'est pas dans ceux-là. Il me semble que c'est dans ceux qui sont un poil plus gros. Ok, alors on va juste regarder étoffe. Est-ce que je vais les avoir? Hop, 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 hop. Étoffe. Ok, bon, on n'a pas d'étoffe. Ok, on n'a pas d'étoffe qui va de cher. Je vide un petit peu tout ce qui me semble servir à rien. Et on va faire un petit débrief sur ce qu'on a et qui vaut un petit peu du Kama, les amis. Ok les amis, bon au final on n'a pas tant de trucs que ça ultra intéressant. Bon bien évidemment tout ça c'est un peu pourri. Ce qui va être intéressant ça va être ben, les pare-chauds qu'on a eu. Et après un petit peu les minerais également. Les petites ambres, ça malheureusement on en a eu qu'une. Ça vaut un petit peu de thunes mais on en a eu qu'une. Pareil pour les pierres de diamant et toutes les pierres globalement. Et on a eu aussi 2-3 viandes. Au final on va aller voir un petit peu combien de kamas ça nous a fait. Ça aura pas été insane mais c'est surtout pour se faire un petit kiff de faire un opening de 3500 coffres. Si jamais vous voulez que je fasse la même chose mais avec le donjon 2 ou quoi, ou là je crois qu'il y a les poissons rares c'est sûr, type Kralamour unique, tout ça là. Si jamais vous voulez voir ça les amis, dites le moi dans les commentaires. Et je vous prévoirai ça avant le 25 décembre qu'on puisse faire un big opening. Dans tous les cas vous savez qu'il y aura le gros opening sur Monoconte qui va arriver dans les prochains jours. Allez on va aller faire un petit tour des HDV, voir ce que valent un petit peu toutes ces ressources et voir un petit peu combien de thunes ça nous rapporte de farm ce donjon. Alors déjà on peut voir qu'il y a les poils de Kitsu qui valent un petit peu, on a eu quelques-uns nous, ça nous fait un petit 230 000 etc. J'espère que j'ai pas misclic, j'en ai pas rajouté que j'en avais mais je pense pas normalement, de toute façon je vérifierai sur les rushs que j'avais avant. Parce que comme demain j'ai misclic les poils et que je les ai mis dans la banque, j'espère que ça s'est pas rajouté mais normalement non. Du coup ça nous a fait qu'on a eu une quinzaine, pareil pour les Kitsu Nufeu je crois que ça s'appelle et les Kitsu Nako. Ah d'ailleurs on va en profiter pour vérifier quelque chose les amis, attendez. On va vérifier quelque chose. Attendez, hop. Ce qu'on va vérifier, c'est ça. Si par exemple, parce qu'il y a eu un débat lors de la dernière vidéo, on m'a dit que si je mettais en vente un item ou une ressource au même prix que celui qui était le moins cher de l'HDV, c'était le mien, enfin le dernier mis en vente qui partait. Donc là, on va le mettre à 4888, hop, et on va acheter le premier HDV. Comme ça, on va mettre fin à ce débat constant. Hop, attention, réponse en image. Et c'est pas le mien. Donc c'est du bullshit. Je me suis fait avoir. Donc non, en fait, il faut mettre un Kama moins cher. C'est du bullshit. Ah, je suis trop deg. En fait, je suis trop deg. Non, du coup, ben voilà, on a la preuve. Au moins, c'est du bullshit, les amis. Donc il faut mettre vraiment à un Kama moins cher. Du coup, il faut pas mettre au même prix. Parce que là, on a testé. Au moins, on a testé, on a vu. C'était vérifiable. Ça ne marche pas. Donc bref, donc il y a les petits poils qui valent un petit peu. Tranche de coco, ça vaut plus grand chose honnêtement. Je voulais juste voir un petit peu les ambres de Mamoto sacré. Ça, je crois que ça vaut légèrement de la thune. On va voir combien ça vaut. Attendez, hop, sacré, hop, combien ça vaut. Dites-moi un bon petit prix. Oh oui, eh ben oui. Oh ben oui, ça fait un petit 2 millions quand même cette histoire. Ah, ça c'est pas dégueu ça du coup. Ça c'est pas dégueu. Et les ambres de Mamoto, ça veut un peu au petit pas. En fait, on s'est fait toute la renta sur les ambres de Mamoto, ouais. Bon, au final, j'aurais été plus rentable à aller faire autre chose, c'est sûr. Mais ça me rattrape pas mal, ça, les gars. Putain, mais au final, je suis bien content. Les diamants, combien ça vaut, les diamants? Enfin, les pierres de diamants, plutôt. Je suis dingue que j'ai pas eu de diamants ronds. Je sais qu'on peut en avoir, mais j'en ai pas eu. Pierre de diamant, ok, donc c'est fait un petit 100 000 avec aussi. Et si juste prendre, j'ai eu des rubis classiques, je crois. Ouais, 10 rubis, putain, j'ai eu 10 rubis pleins. Ça, c'est insane. Pierre précieuse. Hop, Ruby, ça vaut 11 000. Ouais, donc au final, je pense qu'en tout, on s'est fait un petit 2M4, 2M5. Donc ça reste ok. C'est vraiment pas ouf si jamais, par exemple, vous avez une team qui peut vous permettre de faire beaucoup plus de gros donjons. Genre moi, là, par exemple, j'aurais pu faire à peu près
3 ou 4 fois ça en 2 heures, le temps que j'ai mis à faire les cadeaux avec ma team. Mais globalement, ça reste sympa. Ça nous permet de tester une autre zone, etc. Et puis, je pense que avec le donjon 2, s'il y a possibilité dans le donjon 2 d'avoir l'écran à Moroni, tout ça, ça peut être bien sympa. D'ailleurs, on va aller juste regarder ça, les amis. Et comme ça, vous me dites dans les commentaires si vous voulez voir un gros opening sur le donjon 2. Genre pareil, un petit 2000 ou 3000 cadeaux, mais only donjon 2, puisque là, c'était du only donjon 1, bien évidemment. Poissonnier et pêcheur, on va aller voir ça. Tac, alors Kralamour, ça donne quoi Kralamour unique? Ça donne combien? Ah ouais, oh là là là. Ah mais si, ça j'en ai une. Mais attendez, what? Ça j'en ai une les potes, on est d'accord. C'est le truc que j'ai bugué tout à l'heure, ça, attendez. Mais non, mais en fait je suis trop refait. Oh là là, le back to back là, attendez. Les émotions qui changent. Carpet, c'est bien ça que j'ai eu les amis. Attendez. Carpet des sables, mais oui c'est ça que j'ai eu. Elle est où? Elle est là. Oh, mais les gars, je suis trop refait. Je suis sûr qu'il y en a depuis le début de la vidéo qui savaient. Avec moi que je sache, vous saviez que moi je savais pas que vous savez que c'était un truc rare. Et on n'a rien compris, mais c'est pas grave parce que je suis refait. Oh les gars, je suis trop refait. Attendez là. Non mais sans déconner. Carpette des sables. Attendez. Ça vaut combien ça déjà? 3000, ça c'est nul. Par contre, ça c'est bueno ça. Eh bien attendez, mais ça part directement en vente. 899 999 kama. Hop là. Et ben voilà, donc ça fait qu'on s'est fait énormément de thunes en fait. On s'est fait un peu plus de 5 millions les gars en 2 heures. Après bah, je pense que j'ai eu de la chatte, je sais pas si vous aviez les taux ou pas. Oh je suis trop refait les gars. Je croyais que c'était ça, je croyais que c'était Carpe Diem moi. Mais non en fait je me suis trompé. C'était la bonne que j'ai eu. Oh et c'est énorme putain. C'est insane. Moi, je suis vraiment refait les amis au final. J'espère que ça vous fait plaisir. Je suis sûr qu'il y en a qui sont là, enculé et tout, t'as drop ça. C'est trop rare, t'as trop de chat. Non, en vrai, je sais pas la proportion que ça. S'il y en a qui connaissent la proportion, on va aller aussi voir le prix des grands pare-chocs de ça. Pour l'instant, je pense qu'on est quasiment 5 millions. Donc, c'est pas dégueu au final. Oh là 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 là, mais je suis vraiment refait de ouf, les gars là. Oh, vous pouvez pas savoir. Alors, grand pare-chocs de ça. Oh, mais ouais. En fait, c'est vraiment worse, putain. Enfin, worse, pas, ça dépend de la chat que t'as, mais. En soi, putain, on s'est fait un bon petit pactole, hein. Non, mais en soi, je pense que c'est worse à faire, hein. Sachant qu'en plus de ça, moi, j'ai fait que le donjon 1. Si jamais le donjon 2, il permet d'avoir plus de gros cadeaux ou quoi. Ou que même, vous avez un peu de chat et que vous chopez un krala unique et une carpette des sables. Mais vous êtes refait de ouf. Bon, en tout cas, si vous voulez voir soit un épisode avec le donjon 1 ou un fan opening de 5000 coffres et plus, cadeaux et plus, pardon, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir un opening donjon 2, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, vous aurez quoi qu'il arrive l'opening sur rétro monocompte de soit 500, soit 1000 cadeaux selon combien de donjons j'arrive à faire d'ici le temps que j'ai avant de tourner la prochaine vidéo. Et putain, on espère avoir la même chance, enfin en tout cas, de choper un poisson comme ça là. Ça peut être insane si on chope un poisson comme ça sur le monocompte. Ça peut être vraiment nice. Enfin bref les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On profite un peu de l'île de Noël tant qu'elle y est. Et puis après, on se réattaque au gros projet sur monocompte. Ne vous inquiétez pas. Si c'est le cas, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait très plaisir. On a dépassé les 11 500 personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci du fond du cœur vraiment à tous ceux qui prennent le temps tous les jours de regarder les vidéos, de mettre un petit like ou même juste d'être là, de s'abonner à la chaîne, de la commenter, etc. Ça me soutient énormément. Merci du fond du cœur. On est aussi à 950 ou 951 comme ça abonnés sur la chaîne secondaire. Je vous reparlerai de la chaîne secondaire, de tout ce qu'on va mettre en ligne. Parce que là, j'ai stacké pas mal de redives, de live et tout ça qui vont sortir très prochainement. Donc, si vous voulez aller jeter un oeil, n'hésitez pas. Vous avez aussi tous mes liens dans la description. Le Snapchat, le Twitter, le Twitch et tutti quanti. Je vous retrouve les amis dès après-demain pour une nouvelle vidéo qui sera normalement l'opening monocompte ou alors... On verra selon combien de cadeaux je veux faire sur le monocompte. Mais voilà, je vous rappelle qu'aussi dans la prochaine vidéo, on fera le tirage au sort pour remporter les 2 mois d'abonnement qui sont mis en jeu chaque semaine sur la chaîne YouTube. Pour participer, il suffit toujours de s'abonner, de liker et de commenter la vidéo. Je vous fais de gros bisous les amis. C'est tout pour moi. C'était Dofizium. Bye!